entre les bouts de souffle. Connaissez-vous Simon le loup? Ah non, ah bon, Simon mon loup, un loup tout doux. Ah non, ah bon, venez, venez, je vais vous le présenter. Venez, venez dans ma forêt, inventez. Simon, Simon le loup. J'ai descendu dans mon jardin pour recueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, ouais. Gentil coquelicot nouveau. Oh Simon, tu te reposes encore? Mais oui, je suis tellement bien allongé au soleil. Mais Simon, ça fait 3 jours que tu n'as pas bougé. Hein? Je n'ai pas compté les jours. Je suis bien comme ça, c'est tout. Allez, bouge un peu. Oh, tu ne peux pas rester là à bailler aux corneilles. Pourquoi pas? Parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve que c'est plein de bon sens. Je me repose et je n'ai même pas envie de lever le petit doigt. Oh, est-ce que tu veux jouer à la corde avec moi? Oh non, non, c'est trop fatigant sauter à la corde, Marie. Est-ce que tu serais devenu paresseux? Paresseux? Oui, monsieur, tu es devenu paresseux. Oh, Marie, Marie, c'est trop fatigant de te regarder sauter à la corde. Tu vas trop vite. Oh. Tu aimes mieux regarder les mouches voler? Non, non, je ne les regarde pas. Elles bougent trop vite, elles aussi. Veux-tu venir au boisier avec moi? Non, non. Oh, Simon, sois gentil. Oh, c'est pas amusant de jouer tout seul. Ah, j'ai une idée. On va jouer à l'ouilletu. Hein? C'est ton jeu préféré, Simon. Oui, c'est vrai. Bon, allons-y. C'est quoi la musique dans... Ah oui. Promenons-nous. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup y es-tu, m'entends-tu, que fais-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup y es-tu, m'entends-tu, que fais-tu? Je mets... Oh, Marie, je n'ai plus envie du tout de jouer à loup y es-tu. C'est trop fatigant. Laisse-moi dormir. Mais Simon, c'est très dangereux de rester comme ça sans bouger. Pourquoi? Parce que tu peux t'ankyloser. Hein? Je peux quoi? T'ankyloser. Ça veut dire que tu vas être tout engourdi et tu ne pourras plus te lever. C'est même pas vrai. Ah non? Non. On va voir. Bouge tes pattes. Lève-la. Je peux bien bouger mes pattes. Oh, mais je n'ai pas envie de bouger mes pattes. Un point, c'est tout. Tu devrais essayer de ne rien faire, Marie. C'est le bonheur. Ah, non, merci. J'ai horreur de me tourner les pouces. Vous avez vu le beau soleil, hein? Ah oui, c'est une très belle journée. Ah oui, ça, pour une belle journée, c'est une belle journée. Ah mais dis donc, Simon, tu es malade? Non. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas bougé. Ah oui? Il doit bien y avoir une raison. Oh, Simon, tu es malheureux. Tu as de la peine. Non. Mais dis donc, mon garçon,
Mais ce n'est pas bien, hein? Il faut se secouer un peu. Mmh. C'est vrai, tu as l'air d'un vrai coq en pâte. Mmh. Hein? Ta seule occupation, c'est comme ça, de prendre tes aises. Hein? Allez, un peu d'énergie, hein? Tu connais un très, très bon remède contre la paresse. C'est l'exercice. Allez, allez, un peu d'exercice, hein? Ouais. J'étais justement venu vous inviter, Marie et toi, à venir à ma petite séance matinale d'exercice. Où ça, où ça? Hein? Où ça? Ah, où ça? Dans le bois, c'est chez même un nouveau professeur. Mmh. Elle s'appelle Lola. Vous la connaissez? Non. Non, mais c'est une lapine. Oh, c'est curieux, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah bon? Ah ben c'est normal, elle voyage beaucoup, c'est la raison, hein. Ah mais c'est une savante, une scientifique, oui, elle est aussi rapide qu'une fusée, rien ne l'arrête, elle est toujours en mouvement. J'espère que je ne la rencontrerai jamais, Eh bien tu as tort, mon garçon, hein. Non, mais c'est vrai, les exercices de Lola te feraient extrêmement de bien. D'ailleurs, moi, j'ai même perdu 20 ans depuis que je fais des exercices chaque matin. Oui, oh, c'est très important de faire des exercices, mon garçon, hein? Oui, oui, et à tout âge. Bon, moi, je vais vous accompagner, grand-père. Ah, bah, c'est bien ça. Alors, tu ne nous accompagnes pas, Simon? Laissez-moi me reposer. Je n'ai pas envie de bouger. Un point, c'est tout. Non. Dis oui pour me faire plaisir à moi. Ah oui. Oh, tu le regretteras, poil de rat. Tant pis pour toi. Je suis bien heureux comme je suis, poil de souris. Ne vous inquiétez pas pour moi, poil de chat.